Salut tout le monde, c'est Kia Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Mafia 3 pour continuer nos aventures. Là, je suis en train de tout défoncer. Vous allez voir, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire. Il me reste de dommages restants à faire. 9300. 9300 dégâts à faire, ma gueule. Bon, franchement, j'aime plutôt bien là. Et depuis le début du jeu que je joue, ça doit faire quoi, 4-5 heures, 4 heures là. C'est jamais la même chose. Toujours en train de faire quelque chose de différent. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Par contre, c'est pas par là. Est-ce que ça monte ici? Non, je peux pas ici. J'y peux pas, hein. Je sais pas comment faire. Il doit bien avoir une porte. Ah, regardez. Il y a toujours moyen. Il y a des guetteurs. En fait, quelqu'un qui s'assoit comme ça, là. Enfin, qui se met contre le mur, c'est un peu suspect, ouais. Ah là, je sens pas là. La vie précieuse, il lui a volé. Oh putain, je suis foutu. Ça fait combien de temps? 3 jours. 4. Direct. Voilà. Faut se calmer maintenant. Je tue tout le monde. Je ne cherche pas à comprendre. Arrête de me déranger. Voilà, découpage de gorge. Toi aussi, je sais pas ce que tu t'as fait, mais t'as fait quelque chose. Salut, ça va? Bon, prends l'argent. Dire la note. J'ai vu cet enfoiré de bouseux de Burk hier. Ça merde, peut-être ça peut trouver des infos. Je vais pas tout lire, on s'en fout. Prendre des médicaments, ça c'est plus important. Qu'est-ce qu'il a lui? Tu fais quoi? T'as pété de la viande? T'as rien fait? Tu fais quoi? T'as pété? Ah, c'est la porte de tout à l'heure là? Ouais, c'est par là. Ah, à gauche. Il y a un guetteur. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Peut-être que c'est à l'étage qu'il faut que je monte. Ah, regardez, c'est au-dessus. Ouais, c'est qu'il faut que je trouve des escaliers. Ah, ils sont là. J'ai laissé un mal. J'ai laissé un mal. Allez. Allez, viens, mon coquelicot. Voilà. Chut, on se tait maintenant. On se tait. Vous avez compris, bande de tapettes? On se tait. On va prendre l'argent. L'argent, on a besoin. T'es qui, toi, putain? Je suis en train de sauver ton cul. Allez, on se casse. En plus, je devais sauver un gars, je sais même pas si t'es là. Ah voilà! Plus 10 000, bon, on a fini en plus. Tu faisais ça, c'était fini. Bête sa mère. On peut sortir par là? On va prendre un petit midoc. En plus, ça fait des dégâts. Vous avez occasionné assez de dégâts pour faire sortir le boss du trafic. Ah, c'est bien ça, c'est bien comme d'habitude quoi.
Eh bien, c'est bien. Poussez-vous. C'est quoi ici, les gars? On peut pas ouvrir la porte? C'est quoi ton problème? Ah putain. Oh, il y a beaucoup d'argent ici. Je prends tout, ça te dérange pas? Ah, attendez. C'est ce qui m'intéresse. Ah, faut pas cracher sur de l'argent. Hein. Il y en a encore ici, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Là, faut que j'appelle l'autre. Parce qu'en fait, quand tu meurs, tu perds tout ton argent, j'ai l'impression. Ah, oh, de la lumière. Enfin, je vais pouvoir sortir. J'en peux plus. Voilà. Prends un petit camion, tranquille, pépère, au calme. Ça, ça fait plaisir. Bon, bah, on va aller retourner voir. Voilà. On va suivre le radar calmement, paisiblement. On va là où il faut. Attendez. Attendez. Je suis obligé. Ah, dès qu'il y en a devant tes yeux, tu peux pas cracher dessus, quoi. Quand à chaque fois, ça prend 3 trucs que je ramasse, là, je peux plus en poser, là. Il m'en restera plus qu'un, normalement. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu. Je suis en train de penser à un truc, j'ai pas eu beaucoup d'armes hein, dans le jeu. J'aimerais bien avoir la sulfateuse comme j'avais eu quand j'ai fait la banque. Regardez ce que le bon vent nous amène. Comment ça va? Plus personne ne paie Sonny Blue. Du coup, il est dans la merde avec le boucher. Oui, j'accepte. Sonny est au Roberto. Son langage est devenu particulièrement fleuri ces temps-ci. Apparemment, le boucher n'a pas apprécié qu'on perturbe les taux usuraires et les extorsions. T'as raison, ça va chier dans le ventilo. Sonny tente de rétablir la situation. En clair, il essaie de faire en sorte que les gens aient plus peur de lui que de toi. On verra ça. Fais profil bas en attendant que ça se tasse, ok? Bah voilà. Affronter Sonny Blue. C'est ce qu'on va aller faire directement. Toi, c'est à quoi? 500 mètres? Ouais, 600 mètres presque. Bon, avec le camion, c'est un peu long parce qu'il avance pas, mais bon. On y va. Oh, je suis peut-être pas obligé de tourner là. Ah, voilà. Les flics, quand même, ils sont moins casse-couilles que dans le 2. Hein. J'ai mis d'amende, y a pas ce système, j'ai pas l'impression. Alors avant, c'est vrai qu'on se faisait arrêter un peu pour rien. Ça y est, on retourne sur les lieux. Il est là. Il a sorti son petit cul. Alors au pire. Ils sont à l'étage. Au pire, je vais directement à l'étage. Je pense qu'il est à l'étage. On va faire tout le tour. Ah, c'est ici. On va faire ça calmement. On va faire vraiment tout le tour. On va monter directement en haut. Je sais pas s'il est en haut, mais peut-être avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Ce qui est bien, c'est qu'on te fait revenir sur des lieux
au même lieu là-haut que tu viens d'arriver. Ça veut dire que si tu connais par cœur, t'as fait un peu attention, comme là, je sais qu'en passant par là, et qu'il y a peu de chance, la porte là sera possible ouverte. Ah voilà, regardez ça. Mais il sera là où il faut. Voilà. Il y a un guetteur. Oh putain. Oh c'était chaud. Vas-y, c'était sous la cerise. Juste là. Je vais attendre sagement. Il vient mettre derrière. Oh là là, magnifique. De toute beauté. Regardez où il est en plus. Il est pas en haut comme je pensais. Ça qui est beau. Il est là en plus. Attends, on va faire attention. On peut passer par là. Tu fais de la musique, le mec normal. Désolé, Sonny. J'ai vérifié moi-même et on est dans de 16 000. 16 000. Merde. Tiens, on a un arrêté. Lâche-moi. L'arrêté de ce matin. Ah, je veux pas mourir. Non, je suis mort. Non, putain, non! J'ai pas compris. Ah, putain, en plus, j'ai dû perdre grave de l'argent. Ah, je suis fané, là. Ah, je suis énervé, là. C'est un truc de dingue. J'ai envie de tout péter. Ah, merde. Ah, c'était moche. J'aurais dû mettre un coup de fusil à pompe. C'est tout ce que j'aurais dû faire. Ah, il suffit d'une erreur et ça y est, ça pardonne pas. Hein. Ah, je suis deg. Si mon moment faut recommencer, je serai dehors, je pense. Il va devoir que je touche mon retape. Ouais. Et c'est parti. Oh, c'est pas le chemin que je connais. Oh, j'ai perdu la moitié de mon argent. Non. Ah ouais, faut vraiment pas mourir. Eh merde. Il va me voir là. Il est par là. Eh ouais. Noël est en avant. Ouais, écoutez, c'est pas grave hein. Guetteur alerté. Ah bordel. Il me laisse pas bouger d'ici.
C'est chaud la cerise, hein, je suis concentré. C'est magnifique ça. Non! J'ai cru. Aïe! Wouah! Oh là 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 là. Putain, il fait trop mal! Allez, c'est bon. Oh bordel. Ouais, je le recrute. Tu pourrais devenir le roi de la Bratwurst de New Bordeaux à condition de bosser pour moi. T'en dis quoi, Sonny? Ouais, justement, ça me plaît bien de bosser ici. Bon, les gars de Burke vont filer un coup de main. À chaque fois, je le dis, mais moi, je prends une patate comme ça, c'est fini, hein, je bosse pour plus personne. Je suis handicapé. Allez, trafic, hop, assigné. J'ai une nouvelle amélioration normalement. Tout est ok à l'abattoir. Envoie tes hommes sur place. Bah, t'inquiète pas pour les cadavres. Mes gars sauront quoi en faire. Si on arrive à reprendre la distillerie, ce gros tas d'impiries aura plus nulle part où se cacher. Combien fait quand il descend du véhicule et tous les suspensions? Bah, je trouve que c'est vraiment bien fait. Thomas Burke est arrivé aux États-Unis quand il était enfant, lorsque son père a fui l'Irlande, sans doute à cause de son implication dans la guerre civile. Quand son père est mort d'une crise cardiaque, Burke a repris à son compte la contrebande d'alcool. Il a réussi à en faire une véritable industrie, et Sal Marcano l'a remarqué. Burke a rapidement gravi les échelons, mais n'a jamais été promu parce qu'il n'était pas italien. Prendre le quartier. Vous avez éliminé des trafics du quartier, attaquez-vous à l'autre pour faire tomber le lieutenant et prendre le contrôle de tout le quartier. Conquérir des quartiers et les assigner à vos colonels débloque davantage de faveurs et de services de leur part. J'ai débloqué quoi là ? J'ai entendu pas mal de rumeurs inquiétantes sur ce lieu. Maintenant, c'est à nous d'en créer. Bonus, alors. Zone policière. Bleu, supprimer, crime, ignore, 30 secondes. Marqueur gagné. Utilise le marqueur pour payer. Associé de Burke, vous devez apparemment retenir la police. Et puis qu'à faire disparaître la zone bleue. Ah, d'accord. Ah, j'ai ça, là. Ok. Ça va l'appeler là. Voyez quelqu'un à Pointe-Verdun pour me débarrasser de mon fric. Détends-toi, je te rejoins. Ouais, bah vas-y. Voilà, tiens. Ton argent est toujours en sécurité ici, chérie. Gardez-moi ça au chaud. Bon, je crois que je peux y aller. Ok. On va se prendre une petite voiture. Pointe-Verdun, et il me faudrait une nouvelle caisse. Je pisse un coup. Et je te l'amène tout de suite. Eh bah putain, tu pisses vite, mon ami. Voilà votre voiture, patron. Merci. Merci du coup de main. Bon, qu'est-ce qu'il me restera à faire après? L'alcool à détruire. Ça, c'est notre père maintenant. Alors, c'est où? Je vais faire un peu d'émission, la contrebande. Je sais pas quoi faire là. Je suis perdu. J'y suis perdu. On peut continuer à faire ici, hein. Je crois que c'est ce qu'on va faire. C'est à côté, autant faire. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je galère de plus en plus, hein. Je meurs de plus en plus. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Mafia 3.
laissez un petit commentaire comme d'habitude. Pensez à vous abonner pour me soutenir. Et puis, voilà, tous vos commentaires, ça me fait toujours plaisir, merci à vous. Et puis on va continuer ce petit jeu tranquillou. Et pour l'instant, je passe un bon moment, je me force pas du tout. C'est ça qui est important, c'est pas se forcer à faire des vidéos. Le jour où je me force à faire des vidéos, j'arrête. À la prochaine, ciao.